Hey, salut l'équipe, nouvelle journée, nouvel endroit, nouvelle vidéo et dans cet épisode, nous sommes au Osaka Automesse. Et autant vous dire qu'il y a des trucs de ouf, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le Osaka Automesse, mais c'est une partie bien spéciale du Osaka Automesse qu'on va faire avec l'ami JC. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, ça c'est super important pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas de commenter, n'hésitez pas à commenter. Même si vous avez des questions à poser, je lis tous les commentaires. Alors je ne dis pas que je vais répondre à tout, mais je lis la plupart des commentaires. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo. N'oubliez pas de me follow sur mon petit Insta, juste en dessous qui s'affiche là. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Sachez que faire des vidéos à Osaka, c'est énormément de boulot. J'ai pas arrêté, hein. Je suis resté 4 jours à Osaka, j'ai pas arrêté. Donc j'espère que vous allez répondre présent. Allez. On part tout de suite sur le Osaka Style, c'est un peu plus loin. Ça va être une dinguerie, vous allez vriller. Même vous, vous avez jamais vu ça. Là, on ne peut pas faire plus Osaka que ce truc-là. Allez, c'est parti. Très simple. Je le présente plus. Hein. Je suis au bout du rouleau. Ouais, ça se voit. Ne vous abonnez pas à sa chaîne, ne vous abonnez pas à son Instagram. Ouais, c'est bon, il y en a marre. C'est le hall le plus fou, on est d'accord. C'est Osaka. C'est Osaka, voilà. T'as tout résumé. C'est le vrai Osaka voilà. Automesse. Donc la vidéo est finie, c'est bon. Ok. Let's go. Merci. Allez. Un kit Air Ride sur une Lexus LFA. Juste là. Moi, ça me dérange pas, hein, perso. Non, mais moi non plus, ça me dérange pas. Hein. Regarde, hein. Je te mens pas. Hein. Ça c'est une voiture que j'aimerais, alors pas celle-ci en particulier, mais c'est une bagnole que j'aimerais beaucoup filmer, quitter Rai, Lexus LFA. Bon, alors là, il y a de la musique partout. Ouais, c'est le son. Là franchement, s'il n'y a pas une notification qui me saute la monétisation, c'est vraiment de la chance. Là. Bon, JC, montre-nous ce que toi tu préfères ici. Ce que moi je préfère ici. Non, je sais ce que tu vas dire. On parle pas de ça. Ah ouais. Donc là, regardez, tous ces photographes qui sont là ne sont pas là pour les voitures. Ils sont là pour montrer ça sur YouTube en fait. Ah bah bien sûr, c'est la maison ici. Je verrai au montage, je sais pas si je le mettrai. Bon, en tout cas, j'ai pas vu ce qui se passait en fait. Voilà, donc là, ils mettent tous de la musique, c'est horrible. Bah ouais, bah c'est le Osaka Style. C'est le hall pour ça quoi. On va retrouver beaucoup de VIP. Ouais. Les VIP, ça va être les sedans qui vont être plaqués au sol avec des jambes super larges. Ok. La plupart du temps, hein. Il y a plusieurs variantes en fait dans les VIP aussi. C'est quoi, c'est Crown, Celsior? Ouais, voilà, ouais. Crown, Celsior, on va retrouver la présidente, on va retrouver la Century aussi, un peu de l'Aristo et tout comme ça quoi. Ouais. Il y a même des Prius. En fait, bien sûr, on va faire du VIP un peu sur n'importe quel genre de voiture. Hein. Ça peut être sur de la Prius, ça peut être sur du Wagon. Non, mais bien sûr, voilà. Mais en général, c'est quand même des berlines. Non, c'est plus de la berline, la grosse berline. Le Subaru Legacy est très sympa. Sympa. Bon, là, on va plus sur du Stance, quoi, mais bon. Ouais, c'est plus sur du Stance. Ouais. Les roues sont belles. Hein. Elles sont belles, les roues. Les jantes. Et puis, on va retrouver aussi un peu de voitures Bosuzoku. Tous les ans, oui. On en a toujours quelques-unes, c'est sympa aussi, quoi. Non, si on va aller sur K-Break. Vas-y, c'est parti. C'est un one-shot. C'est-à-dire que là, ça ne coupe pas. Sauf si les nanas elles sont trop déshabillées, j'ai pas envie de prendre un avertissement YouTube. Mais ça ne coupe pas à part ça. Regardez, moi j'ai toujours trouvé que les Bosuzoku, il y avait quand même un bête de style, le Hiace. Là on passe le K-Break là. En fait on a la voiture du patron. C'est une Soreur. Donc voilà, montée en Zokusha quoi. Ah, avec les jambes. Je pense que c'est du 14. C'est du 14 pouces, ouais. Petite jambe 14 pouces. Bien tiré, avec des ailes larges, la peinture qui va bien, l'aileron, les Takayari, c'est les Japonais qui sortent à l'arrière comme ça. Ouais. Bah attends, on va faire le tour. Le départ, c'est le grand spoiler à l'avant comme ça. Mais moi, ce que j'adore surtout, c'est vraiment les rappels comme ça, c'est des années 80, tu vois. Et puis même ça, là. Et la voiture, si tu veux, il la roule, quoi. Il la roule pas tous les jours, bien évidemment, quoi. Mais de temps en temps, tu la vois sur les meetings le soir, tout ça, il l'emmène. Donc ça passe. Parce que moi, je la vois souvent sur Instagram, celle-ci. Ouais, elle tourne pas mal. Attends, je vais filmer les échappements. Les peintures, ça fait très fête foraine, en fait. Bah non. Tu sais, les peintures d'autotamponneuses des années 90. C'est ça, hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment,
le style Bosozoku, entre guillemets, ça n'est pas que des voitures. Là, il y a une Sparrer, il y a une Daruma qui est là, Celica. J'adore, ils ont mis des feux carrés, ça déchire. Je vais faire un petit tour de celle-ci quand même, parce qu'elle est quand même relativement cool. Malgré que ce soit tuning à mort, ils ont quand même des goûts dans les livrées qui sont top. Moi, j'adore leurs livrées, elles sont vraiment belles, ça fait vraiment vintage. Tu vois, la queue de canard qui remonte comme ça, non, franchement, elle tue. Mais en fait, je disais que c'était pas que des voitures, en fait, c'est aussi des motos. Donc, je vais vous montrer ça. On avance un petit peu plus loin. Autant vous dire qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Et moi, j'aime beaucoup en fait le délire de rouler, d'utiliser les, que ce soit les voitures, les motos, ils les utilisent, tu vois, ils les roulent. C'est pas juste, ils restent et puis c'est là pour faire du show. Non, non, ça roule vraiment. Ça, c'est quand même vraiment stylé. Oh putain, les souvenirs! L'échappement là, et qu'est-ce que c'est de Tiffany? Bah c'est du Bosozoku, hein. C'est leur marque. Tiffany, c'est le nom de la team en fait. Ah ok, d'accord. C'est le nom de type qui est à Shiga. Ok, parce que je vois Tiffany là, je vois Tiffany. Ouais, c'est le nom de la team en fait. Ça fait vraiment très fête foraine hein, quand même, même tous les espèces de giro là. Mais ça, c'est inspiré des camions, ça, c'est les lampes de camions. Ouais, c'est les lampes de camions qui sont sur les côtés normalement. Ouais. Oh, le klaxon, il est insolent. Incroyable. Et le fameux gyrophare violet. Voilà. Ok, flashball. C'est bon. La musique qui nous demande de foutre le camp en fait. Ouais, là ils connaissent. Et en fait, ils ont éteint la moitié des lumières dans le machin. C'est en gros, là, vous nous cassez vraiment les couilles. Ça me laisse. Et c'est en gros, vous foutez le camp quoi. Mais bref, on va encore regarder 2-3 voitures. Là, il y en a 2-3 que je vais vous montrer. Tu veux passer par là ou par là comme par là, par là. Ok, vas-y, c'est parti. Là, il y a donc, ouais, en fait, ce qu'ils ont un fait, shop d'Osaka aussi, Sparkfine, là, qui est spécialisé dans la VIP. Ils avaient sorti une ceinture il y a quelques années qui avait tout cassé. Ouais. Et là, cette année, ils ont sorti 2-3 modèles. Là, je crois qu'ils ont 5 voitures sur le stand. Et j'adore la manière, les body kits qu'ils font. Quand tu regardes les détails, c'est des trucs cons. C'est pas des over fenders, c'est des fenders d'origine qui ont été travaillés et tout. Ils réalisent juste avec le body d'origine. Des lignes comme ça qui retravaillent sur le truc. Exact, une peinture un peu vraiment spéciale. Les détails aussi, c'est comme le signe de crâne aussi. Il a changé la couleur. C'est des petits détails comme ça. J'aime pas les grosses VIP avec des gros body kits et tout. J'aime les mecs qui travaillent un peu dans les détails, c'est sympa quoi. Ah mais je vois ce que tu veux dire. C'est le hall. C'est le hall le plus what the fuck du Osaka Auto. Ah bah bien sûr. Tout le monde vient pour ça. Les gens ne viennent pas parce que en fait, il y aura 2 vidéos sur le Osaka Auto Messe, mais la deuxième vidéo, c'est des trucs qu'on a déjà vu au Tokyo Auto Salon. Donc c'est stylé hein, il y a des trucs cool hein. Mais je m'attendais pas à une coupe de cheveux comme ça sur un enfant. Vas-y, c'est parti. C'était pas mal, c'était pas mal. On a quelques Zoku encore, c'est sympa quoi. Ah oui, alors moi c'est ce que les je préfère Japan, perso. Japan, les Acheria Vintage. Mark 2, Sorer, c'est sympa ça. Ah, elles sont vraiment belles. Elles sont bien cool. Et les roues, elles sont belles aussi. Ouais. Oh putain, il est trop stylé le Kaiban. Ouais. Mais non. Tu sais, ça me fait penser aux véhicules qu'on voyait dessinés dans les premiers Dragon Ball. C'est vraiment cette esthétique là, ouais. Tu sais, ça monte super haut, tu vois. Ouais, il y a un truc, ouais. C'est stylé, hein. C'est bien cool. Franchement, il est beau celui-ci. Hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est du... Ouais, nous, chez nous, à Yokohama, ils disent Acheria. Acheria, ouais, ouais. Ça va être plutôt du Gorachan. Ouais. Ça va être du Zokusha. Zokusha. Ça, Gorachan aussi. Là, on voit, ça reprend des aussi, ils aiment souvent les Gorachan, ça reprend des... l'esprit des voitures de course d'une certaine époque quoi. Et là par exemple on retourne la déco de course de Leyton House. Elle est complètement folle celle-ci, la sympa, couleur, ouais. La livrée, les gens, tout est fou. Il y avait on l'a pas vu tout à l'heure, mais il y avait un petit scooter avec la même livrée que ça. La livrée, ouais, tu l'as vu, ouais. Alors moi je l'ai vu hier, mais vous savez quoi, avant que je finisse la vidéo, on ira finir la vidéo sur le scooter avec la même livrée que cette voiture là. Un autre truc sympa aussi à côté. Ah oui, alors ça, attends, je leur montre quand même ça parce que c'est quand même insane. Ça, sont vraiment belles. Il y en a de partout, c'est juste incroyable. Tout est tuning. Oh, c'est quoi ça, JC? Je crois qu'il est connu chaud, celui-ci, ça. Non? Je sais pas s'il est connu, mais en tout cas, il fait de l'effet, quoi. Ah ouais, il fait de l'effet. Donc de là, on est sur un Keitora. Un Keitora, en fait, c'est une voiture Kei, mais avec une benne à l'arrière. Ils appellent ça un Keitora au Japon. Ça, c'est une voiture Kei. Les mini camionnettes, juste, tu vois, un tout petit camion comme ça, c'est Keiban. Voilà. Donc là, on est Keitora.
Et le Keitora, c'est un Keitora Drift avec un moteur de, on dirait un moteur de GSXR ou c'est un moteur de bike, c'est un moteur de moto. C'est un Kari, mais je sais pas ce que c'est comme, c'est un moteur d'Hayabusa, c'est quoi? Moi j'aurais c'est dit un moteur de BK, mais je sais ouais, pas. J'aurais ce que dit c'est. Un moteur de d'Hayabusa. Donc un Keitora Kari complètement pour le drift. Coupé. Je sais même pas c'est si, pour. Si, regarde avec le frein à main. Frein hydraulique, donc c'est pour le drift. A priori, ouais. Putain, il est insane. Il est chaud. Il est vraiment vraiment très chaud. Là, il y a du taf et il est bien fait. C'est très c'est très propre. Je sais même pas à l'arrière le différentiel et tout. Je sais pas aussi qu'ils ont trouvé ça. Vache. Il y a du boulot là-dessus. Ah ouais, là il y a du vrai taf. Mais il y a du taf, mais je pense que ça doit pas être désagréable de bosser là-dessus parce que tout bah, est. T'as tout est accessible. Tout est accessible. Pour bosser dans le moteur, c'est dedans. Oh putain. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est la qualité chaud. Du bolt quoi. Je vous jure les gens, la qualité du bolt, elle est insane. Il n'y a pas un tête de soudure raté ou quoi que ce soit. Bagadagada. Tout est ouf. Moi, il est. Tout est Thank ouf. Thank you. Mokaire no. Attends. Hasta mata. Continue. On va continuer. Gambatte kudasai. On va continuer. Bye bye. Bye bye. Ouais, non, il est sexy de il ouf. Il est chaud, il est chaud. Il est très très chaud. J'adore de ouf. Blanc comme ça, pare-choc en. Pare-choc en plexi. Vitre en Lexan. Pare-choc en plexi. Il est fatigué le JC, il faut qu'il rentre à la maison. D'ailleurs, JC, qu'est-ce qu'il Moi, je vais vous laisser là, vous allez terminer sur le scooter, moi je vais terminer par terre là, le, par là. Le scooter. Le scooter. J'ai entendu scooter, ouais, ouais, vraiment fatigué. Le scooter là-bas. Tu veux pas qu'on aille voir les. Parce qu'il y en a des. On va aller voir le spécial. Ouais. Ouais. Je sais pas si pas de fin, mais attends, mais il y en a une qui se déplace là. Bah, ça bouge, c'est des voitures, tu sais, c'est fait pour bouger. C'est pas fait pour faire que du show. Le mec, il disait, une Lotus dans son garage. Ah oh là, les échappements. Ouais, c'est des silencieux qui font pas de bruit, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai en fait, je m'attendais à plus de. On dirait une flûte. Mais il rallonge de combien de mètres sa voiture avec les. Je sais pas. C'est quand même. Tu rouleras avec ça toi un jour pour rigoler Ouais. Bah oui. Bon, il faut leur dire quand même que les échappements, il les retire quand ils roulent. Ça s'en laisse. Incroyable, mais même le gars, tu connais Samadès, il a le style et tout. Ah ouais, c'est bon, moi. Ah, c'est bon de ouf, mais c'est trop stylé, ça claque. Trop stylé. Et puis tu vois, ils chérissent leurs autos parce que là, les sous-bâches. Alors là, il y en a une ici, et puis il y en a une ici, tu vois, qui est sous-bâche. Qui est quand même. Alors celle-là, elle est folle aussi. C'est toujours des peintures. Ah, ouais. Il n'y a pas les quêtes craquées, quoi, c'est mon air. Écoutez les petits potes, c'était un one shot, je pense qu'on va aller se finir sur le scooter, le skater. Alors le scooter. Le skater, c'est parti. Alors, En fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'était le fameux scooter qui est dans la benne de ce Keitora, qui est juste incroyable. Parce que là c'est du pur style japonais. C'est quoi. Sympa. Allez, on va montrer ce côté-là. À l'arrière du IZ. Voilà, regarde ça. Un scooter avec la même déco que sur la. Ouais, la c'est la même déco qu'il y avait sur la soirée qu'on a. Layton House, quoi. Bon, enfin, Layton la même déco, House. En tout cas, c'est la même. Oui, c'est la même couleur. La même couleur et la même. Mais voilà, vous voyez, arriver là comme ça en ville, là. Mais il y a des enceintes même, j'avais pas vu. Bah ouais, il faut de la musique aussi un peu. Les enceintes, putain, mais même les poignées, tout est dans le détail en fait, c'est ouf. Il est de quelle année le scooter? Ça a l'air d'être un vieux truc en plus. Je sais pas, ouais. C'est Honda, je sais plus quoi. Ça tue. Non, c'est pas un Zoom. Non, avec le Po Beat. Layton House. Ah, j'adore, mec. Avec l'optique avant et le chat dessus, là, ça tue. Trop bon, ça. Trop stylé. D'ailleurs, on va être en plein sur la photo, là. Ah ouais? Faut qu'on se barre. On va être sur une photo. Bon bah les petits potes, voilà, c'était un one shot. Juste histoire de vous montrer un peu l'ambiance à Osaka, tu vois, les bécanes qui sont quand même folles, hein. On va kiffer. Bon voilà les petits potes, c'était surtout histoire de vous montrer l'ambiance. On se casse. Non, c'était bon. Voilà les petits potes, c'était surtout histoire de vous montrer. Je peux faire ma. Non mais les motos elles sont vraiment incroyables, les livrées sont magnifiques, les peintures elles sont vraiment belles. Putain, la Suzuki là, même la Honda là, putain. Non elles sont vraiment belles. Voilà, bah écoutez, en tout cas en espérant que vous avez apprécié, il y a un lowrider là-bas, il est oufissime aussi. Ça sera pour une prochaine, de toute façon je vais en filmer normalement à Yokohama des lowriders. Je fais des bisous, n'hésitez pas à suivre le Mister, il est juste là, vous le suivez, vous mettez derrière lui, vous le suivez, voilà. Je vais mettre tous les liens dans la description. Prenez soin de vous, la santé sur vous, c'était Dashi, c'était JC, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Peace. Oli.